Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne Cactus RC. Et aujourd'hui, nouvelle machine. Mais avant ça, on va regarder ce avec quoi je vais l'équiper. J'ai déjà un peu tout ouvert, tout regardé, mais voilà. Servo GX 60 kg, mouse Custos et petit combo de la mort. Ça vient de bon, le cerveau de chez AliExpress, le combo de RC Shop 66. N'hésitez pas à le contacter sur Facebook. Donc, on a full Hobby Wing, Max 5 G2 en combo, 56-118. 650 kV. Donc j'ai ouvert juste pour être sûr qu'il y ait tout dedans, mais ça avait déjà été contrôlé par Ludo. Donc le SC, dedans on a quoi? Un câble de passe, je pense que c'est pour faire une doublette. Parlant de ça, j'ai aussi pris des prises AS150, bien costaud. Ça, c'est AliExpress les prises. Et il me faut commander les prises qui vont aller avec tout ça jusqu'aux batteries. Je pense en EC5 ou je sais pas quoi. On va voir. Parce qu'il faut que j'harmonise tous mes ESC et les batteries. On a du double face, du stickers, non, que du double face, pardon, et de la gaine thermo. On a autocollant Hobby Wing, la planche classique. Putain, fait chier ce bordel dessous. Là. Ouais, voilà, notice. Et c'est tout. Ouais. Je sais pas s'il y a le tableau de proc dedans, je verrai. Au pire, sur internet. Donc, ça, tac. Il va falloir que je m'en occupe quand même, parce que ça fait 15 jours que c'est à la maison. Ok, ça là, ça va être le gros bébé 56-118. Donc là, il n'y a rien d'autre dedans. Voilà. Un capteur, c'est la version G2. Parce que c'est le bazar, j'ai de tout partout. Et pour donner une idée, ça c'est un moteur de 1 huitième. Est-ce que j'ai un cerveau? J'ai un cerveau quelque part? Ouais, là. Voilà, cerveau d'un huitième. C'est le mien ou c'est le Juju? Bon, c'est le mien. Parce que Juju il a commandé le même, il m'a servi. Je confirme, Juju a commandé le même. Bah oui, c'est exactement le même. Ma fille mode 74, 74, 180, 180, DES 35 MG. Ouais, c'est exactement le même. Ça, c'est pour le freinage de sa Formule 1. Donc, c'est pas tout. Mais avant de montrer le véhicule, on va regarder ce qu'il y a dedans. Où on prend le véhicule direct. Allez, le véhicule. Ouais, j'étais faible. MCD RR5 Max Pro. Bon, j'ai pas la carreau, elle est déjà chez Nico Fasium pour la peinture. Donc ça, pareil, surprise. De base, c'est un châssis thermique. Donc il faut acheter un kit de conversion. Pareil, tous chez RC Shop 66, tout vient de chez lui. Donc il y a le kit de conversion qui est vendu séparément, à peu près 150 euros, même un peu moins. C'est présenté comment? Un autre. Un bac lipo, prendre deux lipos, donc on peut faire du 8-12S avec ce combo. Ça vient se fixer ici. Ensuite, on a cette interface
viens te placer ici. Et du coup, le moteur, ici. Ça paraît un peu petit le moteur, mais ça suffit large. Et il y a une bride intermédiaire qui vient à l'arrière, à ce niveau-là. Donc, il faut la fixer pour maintenir le moteur pour pas qu'il tombe. Et pour pas qu'il y ait trop d'effort axial. On va parler de tout ce qui est donné avec le véhicule avant de le regarder en détail. Donc, le truc de conversion, bien sûr, à prévoir en plus, si vous voulez l'équipe en électro, sinon vous achetez un moteur thermique. Et il y a une version, je crois, qui est livrée avec l'échappement et tout directement. Ouais, j'ai déjà ouvert un sachet pour monter l'aileron, avec les supports de la RR5 Compétition. Les supports ne sont pas les mêmes. Les autres sont comme ça, ils viennent ici, et du coup l'aileron il est plus en avant. Je trouve qu'esthétiquement ça passera mieux derrière. Donc la lumière, j'en ai pas besoin. C'est livré donc, vue éclatée, notice, planche de stickers. Voilà, noir, rouge, blanc, couleur qui passe bien, minimaliste. Mais ça, moi, je vais pas utiliser, à mon avis, parce que j'ai la peinture qui va être faite à 100% perso par Nico. Donc, pas besoin. Les seuls plans du véhicule qu'on a, c'est ça. Une vue éclatée avec de la version thermique, parce qu'il y a l'échappement ici, le moteur là. Et après, il y a quasiment rien d'autre. Donc ça, à ne pas perdre. Bon, après, tout est dispo sur le site MCD Racing. Donc, vous pouvez tout trouver facilement. L'instruction, c'est super simple. Bon, les trucs de prévention. Ce que vous avez besoin pour le poète et tout ça. Mais ça, donc, du coup, on sortait direct. Installation du carbu. Et là, réglage d'intrax pignon moteur. Là, il y a un système qui est super bien fait. En fait, la couronne, là, elle est en 64 dents. Le pignon livré est en 21. Et en fait, il suffit de faire les 64 plus les 21, on a 85. Et en fait, il y a des points d'ancrage 85, là et là, qui permettent de déplacer le moteur et avoir le bon positionnement. Voilà, c'est expliqué ici. Donc là, il y a un petit cavalier qu'on tourne et ça slide le moteur. Bon, après, c'est bridé par une vis dessus, dessous. 3, 4, 5, 6. Il y a 6 vis pour tenir le chariot moteur. 7 dessus, pardon. Bon, les réglages des freins. Ouais, parce qu'il y a les freins méca. Bon, voilà, il donne toutes les valeurs pour les réglages des freins. Après, c'est tout. Il y a pour les cerveaux de direction, soit on met deux cerveaux 1.5, soit deux cerveaux 1.8, soit un seul cerveau 1.5. En fait, en fonction du montage qu'on utilise, les biellettes, en fait, il y a un réglage différent. Et ce qui est bien, alors est-ce que je vais avoir. C'est peut-être pas le bon. En fait, ici, il y a un petit trou. Faut mettre du 4 mm, là c'est pas le bon, donc on bloque la barre de Ackermann et en fait ça bloque la direction pour pouvoir régler toutes les biellettes à pas inverser pour régler le train avant. Et pour régler les biellettes ici, le train avant est verrouillé. Ça c'est top. Donc voilà, c'est tout expliqué ici. Donc bien sûr, c'est tout en anglais. Ensuite, réglage de carburation. Les réglages, quelques réglages pour les porte-fusées. Le montage des diffs. Les diffs LSD. Je crois que c'est pour le glissement limité. Les 4 modèles MCD. Et les suspensions avec le système là de compensation de volume. En fait, en fonction de la compression, le volume se comprime pour compenser
le volume d'huile de la tige et d'amortisseur. Voilà, il n'y a que ça qui est derrière. La notice, c'est ça. Donc il n'y a pas de total démontage ou quoi. Ça, c'est démerdez-vous. Mais il y a pas mal d'infos sur le site MCD, en Turquie, là-bas, il est. Et vous trouvez toutes les infos. Donc livré avec bon la carreau que j'ai pas. Ensuite, donc il y a les deux supports d'aileron, version compétition et Max Pro. Après encore deux modèles au-dessus, mais ça le support ça change pas. Il y a ceci, c'est la prise d'air de toit de la carrosserie et des petites grilles latérales pour mettre à côté de la carrosserie. Mais ça, on m'a recommandé de ne pas le mettre, que apparemment ça s'arrachait facilement. Ensuite, livré, allez, j'ai même pas ouvert encore, hein. Il y a ça et ça. On va regarder ensemble du coup. Avant de regarder les détails du châssis. Voilà. Des pistons 3 trous, des pistons 2 trous, des petites cales. Donc il livre les grappes. Donc ça, je pense que ça doit aller des amortisseurs parce qu'il y en a 4. Il y en manque 4, donc je pense que ça équipe les premiers, les suspensions avant-arrière déjà. Et ça, c'est du spare. Ou pour différents réglages. Donc on a ça. Attendez. On va faire ça. On le reprendra après. Bon, ça y a de la place. Voilà. Je sais pas à quoi ça sert. Est-ce que c'est présent sur la vue éclatée? Note inclus, donc c'est pas celle-là. Je sais pas. Je sais pas si c'est un gabarit, aucune idée. Alors voilà, ça, je sais pas ce que c'est. Si quelqu'un sait, vous me dites. Une clé en plastique pour les écrous de roue. Et je pense que là, ça doit servir pour peut-être les suspensions ou autre chose. Mais dans la clé, il y a d'autres trucs. On la tringle gas frein. Donc, juste des gaz, pardon. Les freins sont déjà montés. On a les réducteurs pour monter les petits cerveaux. Celui-là. En fait, ça permet de monter les. Forcément sur le côté, voilà, tac, monter le cerveau 1,8 sur l'ancrage 1,5. Donc, ça il y en a 1, 2, donc pour les deux cerveaux de direction, et un troisième pour le frein. Ensuite, ça c'est pour les clips de carreau. Ça protège la. Ça, en fait, ça se fixe dans la carrosserie. Si je dis pas de conneries. Hein. Ouais, il me semble que c'est ça. Ça, c'est pour la carrosserie. C'est les rondelles de clips. Ça. Une superbe antenne. Il y a un sachet complet de visserie clips de sphère de cardan, de passe. Encore pour l'éclipse carreau. Et tout un lot de cales de réglage de triangle, de porte-fusée, tout ça. Tout en excentrique. Voilà. Est-ce que c'est numéroté? Non, il y a juste le point qui est dessiné en fonction de ce qu'il y a derrière. Donc ça, je pense que c'est une pièce classique, quoi. Comme on a avec un peu tous les véhicules, hein, ça arrive qu'il y ait quelques pièces de réglage sur le châssis compétition. Ça. Et ensuite, ça, j'ai un peu regardé à travers le sachet, hein, mais. C'est un cache pour l'échappement
et le moteur thermique. C'est un cache de protection. On va sortir ça. Un triangle, deux triangles, trois, et il y a quatre triangles de passe. Et il me semble que les avant et les arrières, ouais, sont identiques. En fait, en fonction du sens, c'est des droites ou des gauches. Donc, ça permet de partir avec un peu d'avance. On a la cage de protection de, je crois que c'est la partie bougie du moteur. La bougie qui est au-dessus, l'antiparasite qui passe au milieu. Enfin, voilà, ça c'est une partie qui dépasse la carrosserie. En fait, sur le thermique, il faut découper une partie de la carrosserie. Il y a ça qui vient dessus, ça protège le moteur. Ensuite, il y a un joint d'échappement, un peu de visserie. Et je sais pas, un petit ressort et une cale. Je pense que c'est pour le thermique, pour le maintien en position de certaines pièces. Donc ça, c'est rare les marques qui laissent des triangles avec. Bon, j'espère ne pas en avoir besoin, hein. On va essayer de ne pas casser quand même. Bon, voilà, maintenant on va venir au châssis. Donc, le châssis, avant d'en discuter, moi, donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai pris chez RC Shop 66 à Perpignan. Au départ, je l'avais regardé chez Peugeot, qui est importateur français MCD. Sauf qu'en fait, sur le châssis, ben, il est plus cher. Sur le kit conversion, en fait, quand j'ai demandé les infos, au lieu de me proposer le kit MCD à 130-140 euros, il m'a proposé le kit conversion avec moteur ESC et l'hypo de son collègue pour 1200 euros, en plus du châssis. Donc j'ai fait un calcul, il y en avait pour presque 3000 euros, je crois 2700 ou 2800 euros en complet. Par contre, il me manque un truc. Ça, bon, j'ai le pignon moteur là. Et dans le bazar. Ah, je l'ai mis où? Bon, ben voilà, on y reviendra après. J'ai la billette de direction. La billette de direction double pour passer un simple cerveau. Donc voilà, autour de 2700 euros. Donc c'était hors de question. Et Juju RC Cut, il me dit, mais écoute, va voir Ludo, il est bien placé, et effectivement, il est très bien placé sur MCD. Et ensuite, en fait, pour une petite histoire, je suis allé sur les groupes Facebook MCD France, pour essayer de discuter un peu technique avec les gars des groupes, et en fait, le monsieur Michel Peugeot, qui est un connard fini, je le cache pas, en fait, ben, simplement, comme j'ai pas pris le châssis chez lui, ben, m'a banni complètement des groupes Facebook MCD France, Peugeot Racing et tout ça. Donc je me cache pas, je lui ferai jamais de pub, c'est un confini. J'ai beau essayer de discuter avec lui en message privé, mais en fait il veut rien entendre. Il croit qu'on veut y fracasser son marché, faire de la pub pour d'autres boutiques et tout ça. Alors que le but c'est juste de discuter entre utilisateurs. Et non, lui en fait c'est son championnat, ses copains et le reste il en a rien à branler. Donc les confinis comme ça, c'est même pas la peine, fuyez-le. Et ces tarifs, de toute façon, sont clairement pas intéressants. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Bon, du coup, par contre, la corne de cerveau, ça me fait chier parce que je sais pas où c'est qu'elle est. Tac, tac. Ah, ben si, elle est là. Ça par contre, ce qui est dommage, c'est que c'est pas livré avec la petite corde de cerveau en alu à 70-75 T6 pour monter le double palonnier. Voilà, ça bon, c'est 19 euros, ça va, c'est pas excessif. Donc, voilà, le châssis, version Max Pro. Au départ, j'avais regardé la compétition comme Mani, et en fait, pour pas beaucoup plus cher,
y a la Max Pro et qui a pas mal d'options en plus. On va partir de l'avant. De l'avant, la compétition a les amortisseurs plastiques, tourelle en alu 60-60 ou en alu classique, barre de direction Ackermann standard, et je sais plus quoi d'autre. Il y a un autre truc qui change. Là, amortisseur Coralu 70-75 T6, tourelle plus épaisse 70-75 T6, la barre de Ackermann pareil. Et voilà, déjà sur l'avant, il y a ça. Un petit détail qui est sympa, je ferai le tour après. Sur les bacs de réglage de précharge, il y a un numéro qui vont de combien à combien? De 2 à 5. Donc 2, 3, 4, 5. Avec un petit point de couleur pour noter le piston qui est à l'intérieur de l'amortisseur. Ensuite, partie centrale. Ce support-là. Sur la compétition, il est comme ça en plastique. Ça, c'est l'axe pour la conversion thermique. Alors, voilà, et cette pièce-là, et celle, non, peut-être pas celle-ci, mais celle-ci qui est en 70-75 T6, et celle-là en plastique sur la compétition, alors que sur la Max Pro, c'est en alu. La platine du chariot moteur, pareil, c'est pas le même aluminium. Le palier ici est en plastique sur la compétition, ici en alu. Non, il est en plastique, en plastique sur la compétition. Je ne sais plus si je me suis embrouillé ou pas. Donc voilà. Là, il est en alu sur la Max Pro. Tous les renforts arrière, pareil. Le 70-75 T6 sur la Max Pro. Et c'est en plastique sur la compétition. Le châssis est plus long, je crois, de environ 50 mm sur la Max Pro. Et un 70-75 T6 fraisé, ajouré, allégé. Alors qu'il est classique et plus court, du coup, sur la version compétition. Mais il existe un kit de conversion. C'est une petite platine à l'arrière. On reperce le châssis et ça permet de rallonger le châssis. Ensuite, sur l'arrière, donc il y a l'histoire des supports d'aileron, plus en arrière ou plus en avant en fonction du modèle. Là, les deux sont livrés. Esthétiquement, moi j'ai mis celui-là. La tourelle sur la Max Pro est plus haute. Et donc. Pareil, un 70-75 T6. Les amortisseurs, c'est la même histoire qu'à l'avant. Sur la compétition, c'est en plastique. Là, c'est en alu. Et ils sont plus longs pour un plus gros débattement. Et je crois que c'est à peu près tout. Donc, ça fait les amortisseurs, les tourelles, le support, les renforts, le palier central, le châssis, la platine qui change pour à peu près 250 à 300 euros de différence. Sachant que je crois que les 4 amortisseurs c'est 200 euros, les tourelles ça doit être 50 ou 60 euros pièce. Donc ça vaut clairement le coup. Et la barre d'Ackermann. Et si, les barres stabilisatrices à l'avant et à l'arrière qui ne sont pas présentes sur la version compétition. En fait, la version compétition c'est vraiment l'entrée de gamme. Bon, après il y a les versions FL, je crois, ou TL et Ultimate, où c'est qu'il y a les triangles et les porte-fusées en aluminium. Mais là, on dépasse les 2000 voire 3000 euros le châssis. Donc c'est hors de question de. Pour moi, c'était même pas la peine. Dessous, qu'est-ce qu'on a? J'ai même pas regardé dessous encore. Donc voilà, châssis simple, plat, MCD, gravé ici. Les skids. Sur cette version aussi, il y a un petit détail qui est sympa par rapport à la compétition. Au niveau des vis de drop, là, il y a une petite languette en métal qui est vissée pour éviter d'user le châssis en aluminium. Je sais pas si on le verra tout à l'heure quand je ferai le tour à la cam. Mais voilà. Donc voilà, projet 2025, rien. 24, 25, 26. Je vais pas faire mon juju, moi, là, j'en ai pour une bonne année. À pas investir, ou alors va falloir vendre de la voiture. Mais voilà. Donc, objectif, préparer la caisse dans les jours qui viennent pour aller rouler à la nocturne à la fin du mois à Bao avec Juju, Ludo, Nico et Seb et ben, tous ceux de Perpignan là-bas. Voilà. Ouais, je me suis fait plaisir. Allez, on va faire un tour.
Donc. Ouais, les petits écrous MCD, c'est gravé partout. Partout où ils ont pu, ils ont gravé MCD Racing. Hein. Sur les jantes, on le voit pas, mais là, c'est marqué MCD. Les pneus de l'espace, c'est monstrueux. Donc ça, sur certains circuits, c'est même pas accepté, hein, ça. Les suspensions, là, il y a écrit quoi? Internal High Pressure Cell System. En fait, c'est le système avec le ressort de compensation. Là, pareil, c'est gravé MCD, donc là, on voit que c'est du beau matos. Hein. Voilà, donc le chariot moteur, ce que je vous disais, il y a une vis dessus, une vis dessous, ici. Ici aussi. En fait, il faut desserrer là, là, partout. Cette vis ici. Et en fait, là, on choisit le numéro. Donc de 82 à 87 pour l'étagement. Il y a la même chose ici. Et en fait, on slide le moteur. Donc c'est pareil, 82, 83, il y a tout qui est écrit pour avoir un entre-dents parfait. Ensuite, donc là, pour les servos, on peut mettre un servo ici, un ici, un au centre. Il suffit de découper cette barrette. Et éventuellement, ici, là, il y a les petits pointillés pour le traçage. Là, on peut mettre un interrupteur on-off. Je pense que c'est plus pour les thermiques. Boîte radio, un petit clips. Elle est immense, comme ma bite. Bon, on va laisser ouvert. Là, normalement, c'est pour la queue de réception. Et en fait, le EC est censé venir ici. Mais moi, je pense que je vais peut-être faire une interface à ce niveau pour mettre le EC soit ici, soit légèrement décalé. Donc voilà. Voilà, la boîte, elle est immense. Pour mettre une lipo annexe ou pour l'éclairage, peut-être, pour les nocturnes. Je sais pas comment on pourrait faire. La carreau est tenue ici, devant et sur les côtés. Là, il y a un petit pion. Voilà aussi. Ça, c'est une pièce qui sert que pour le thermique. En fait, pour monter le kit conversion, il faut la retirer parce que le kit conversion est vissé par dessous là. Là, il est pris ici, ici et ici. Voilà. Après, bon, on a des freins à disque simples, monobloc, non percés. Les deux tirés par une seule tringle qui freine la châssis. Voilà. Là, ça bouge pas. Là, c'est roue libre. Et en fait, la noix est triangulaire, donc le disque est flottant. Et ça freine directement la noix sur l'avant, sur l'arrière. Enfin, l'avant-arrière plutôt. Et on peut régler les deux indépendamment. Bon, en fait, il y a deux réglages, deux tringles, et un caoutchouc ici là pour pas tirer trop fort, je pense, dessus. Mais voilà. Ce qui est sympa aussi sur ce châssis, des soufflets quasiment partout. Bon, là, non, parce que c'est pas possible, c'est du CVD. Il y a des soufflets ici, des soufflets là, à l'intérieur là, donc CVD, c'est pas possible. Et je sais pas si on va voir. Bon, là, c'est pas possible, pareil, parce que c'est les noix sont triangulaires pour les disques, donc les soufflets ça passe pas. Et en fait, les cardans, c'est ni du CVD ni des dogbones. Ce sont des sphères avec trois creux, un peu comme les bagnoles échelle 1. En fait, les sphères elles oscillent dans la noix. Et est-ce qu'on va le voir? Bon, voilà, c'est déjà graissé d'origine, et on va pas le voir du coup. Voilà. Et on peut voir qu'il y a tout qui est vraiment mouse costaud. Là, je crois que ça fait 6 mm les pas inversés, les cardans pareil. Je vais prendre un pied de coulisse s'il veut bien s'allumer. Les cardans 7 mm et 8 mm pour les billets à pas inversés. Et là, pareil, ce qui est bien, c'est que sur les cardans, il y a les dimensions de les longueurs notées. Donc, pour trouver les pièces, c'est super simple. Là, 163, 150. L'arrière, on a un 181. Et en fait, c'est noté où c'est l'endroit où c'est qu'ils vont. À l'avant, arrière, ce sont les mêmes. Là, ça, je pense que c'est pour le thermique. Je sais pas ce que c'est.
Et voilà. Voilà. Bon, là, c'est le bordel. Là, c'est le bordel. Mais c'est pas grave. Ce qui nous intéresse à nous, c'est là. Ça, c'est dommage. Pareil, il y a un petit trou là pour l'échappement. Ils auraient pu faire un truc obstrué qu'on enlève à la demande. Et voilà. Moi, le seul truc qui me chagrine sur ce châssis, c'est ça. Les vis cruciformes dans le plastique. Pas partout, parce qu'ici, là, c'est du cipan. Là, on a du cruciforme. Cruciforme ici. Mais voilà, la plupart des vis, on va le voir sous le châssis. Voilà, là, on sait que c'est dans de l'alu, c'est de l'hexagone. Et là, ici, ici, là, non. Dans les cellules, ici. À ce niveau-là, là non, c'est de l'hexagone, et ici devant, c'est du cruciforme. Bon, par contre, c'est vraiment costaud, hein, pour avoir testé. Et ensuite, voilà, ce que je vous disais, là, une petite languette en acier pour protéger le châssis, avec deux petites vis pour la changer, et la vis de drop qui appuie dessus. Ça permet de pas abîmer le châssis. Voilà. Je pense qu'on a fait à peu près tout le tour. Je ferai le montage tranquillement, moi, soit en vidéo accélérée, soit dans mon coin tranquillement. Et je vous posterai ça une fois que ça sera fini. Voilà. Objectif 8 et surtout 12S. Et voilà, et pareil, vidéo de la carrosserie quand elle arrivera. On fera ça. Voilà, sur ce, ciao tout le monde.